Et plop les gens, de retour sur Céleste. On vient tout juste de faire l'arête d'or, oui c'est bien ça. Et on arrive au temple miroir. Pour Madeline, toujours en provenance du Canada numéro 5. Toujours une carte postale. Le savais-tu? La plupart des accidents de montagne sont dus à la fatigue. Pense à faire des pauses régulières. Non, ne t'en va pas sans moi, Théo. Oh, regarde. Oh, regarde un peu ces endroits. Tu as envie d'aventure? Je ne sais pas trop. On dirait qu'il fait bien noir là-dedans. C'est plus un cauchemar qu'une aventure. Va jeter un œil et prendre quelques photos. Je vais jeter un œil et prendre quelques photos. Cet endroit doit être ancien. Eh oh, attends. Mes abonnés Instapix vont se régaler. Ça va forcément mal finir. Oula. Ben, il n'y avait pas de bonus caché ici. Alors ici, normalement, on peut s'accrocher. Là et là, non. Alors, avec retour de l'ombre. Oh yeah. Un miroir. Oh oh. C'est le téléphone de Théo. Pas de panique, Madeline. Il est peut-être simplement tombé de sa poche. Je lui rendrai quand je le trouverai. Non, non, non. Attendez. Mince. Ok, ça devait être juste l'effet de... Ouais. Alors là, j'ai pas l'impression de pouvoir les diriger. Si je peux... Je suis arrivé d'en haut.
commencer par aller tout en bas. Pas mal. Ok, là par contre, on meurt. Non. Ok, fallait dasher vers le bas pour rester sur place, mais profiter de l'élan que le truc donne. Hop là. À cet endroit-là et après je le fais safe. Je maintiens mal et maintenant je fais non.
pas si compliqué. Non, on va sauter normalement. De quoi? Ok, effectivement. Non mais c'est vraiment le dash pour sortir. C'est compliqué. Trop tôt. Ah mais non, mais pourquoi? Ah non, d'accord, les pics, oui, d'accord. J'avais pas vu, les pics restent là, ils débordent. Donc faudra très certainement. Voilà. Sauter puis dasher. Là dans le terrain. Oups. Pas du tout vérifier le timer des deux là. Ça aussi c'est bien dans le céleste, une fois que tu as découvert un passage. Le jeu ne te le recache plus. Thank you.
Je suis pas certain que c'était 100% comme ça qu'il fallait faire, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Donc cette zone-là, je pense l'avoir découverte entièrement. Là, il y a une partie où il faut aller à droite. J'avais bien... Hop là. Ok. Toujours donner une direction à son dash. Sinon, ça ne fonctionne pas. Forcément. Tu veux faire ça, comme ça, ça va l'air pas mal. Ça m'a l'air, comme je disais, pas trop mal. Après. D'ailleurs, oui, il faut faire quoi après? On va à droite. Soit on réussit à descendre juste au niveau de la fraise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tombe droit puis en diagonale. Soit on va plus loin. On prend la boule rouge. Qu'on fait monter en diagonale à gauche. Et ça m'a l'air un peu plus... Safe. Ah, tu doux. Safe. Rien ne m'a l'air safe.
que là, je peux pas tomber direct, donc... Donc mes envies d'avoir un truc safe s'envolent. Savoir tout explorer. Alors il y a peut-être un endroit où j'ai pas vu le... passage secret, mais dans l'idée... J'ai exploré tous les chemins sinon. Théo, te voilà. Madeline, salut. Que fais-tu à l'intérieur d'un miroir? Je dirais plutôt que c'est toi qui es dans le miroir. Que s'est-il passé? Eh bien, je fais un selfie du miroir, tranquille. Tu vois, du genre, c'est le gars Théo dans un vieux temple, rien de méchant. Hashtag bien heureux. Et quand je me suis réveillé, j'étais détendu, au sol. Ça ressemble à quoi là où tu es? Quand puis-je te retrouver? C'est très sombre et bizarre. Il y a... Attends, il y a un truc qui vient. Je me sens très tenté de fuir. Sois prudent, d'accord? Prudente. Si d'un côté on arrive... Ouh, j'ai eu peur que les... Et que les pics me butent. Si d'un côté on a directement la sortie, c'est que de l'autre on l'a pas du tout. Ah, oh, ça vire que là-bas, va falloir que j'aille en bas au bon moment. Easy. First try. Passage que je voulais tester. Non, faut que je passe par la gauche. Thank you.
pas besoin de redécher. Hop, punaise. Faut que je lâche au bon moment. J'avoue, je me suis un peu loupé, je voulais m'agripper au truc qui montait. Alors ça, ça m'a l'air d'être la suite, donc on n'y va pas. Ok, donc il n'y avait pas de vide jusque là en tout cas. Il n'y avait juste pas de vide nulle part, j'ai eu peur de me croûter dans une salle. J'ai peur de tomber d'une salle où il n'y a pas de vide. Ok. Non. C'est quand même beaucoup plus sympa à allumer, hein. Non, c'est à droite, pas en haut à droite. Ah! Oh.
Non. Plus, j'ai pas besoin d'économiser le. Dash. Très certainement un moyen de passer par en bas. Sinon, il y aurait pas ces trous. Mais on va dire que c'est pas pour moi. Ah, je suis allé trop vite sur le côté. Logiquement, il n'y a rien. Non, 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 non. Voilà. Mais... Oh, j'y étais presque. Oh, j'y étais. J'avais juste à plus bouger. Voilà.
toi, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si ça c'est... Ok, ça c'est des passages ou des... Non mais non. Non mais non. Aller juste sur la droite. Et j'ai réussi à revenir. Il y a bel et bien un truc là-haut qui est planqué. Normalement non. Hop là. Alors. Ah zut. Première mort dans cette salle.
Voilà, parfait. Alors... Non, c'est long... Et ce U là m'a l'air bien gênant. Alors là... Ouais, le rouge on le prend et je pense qu'on se prend le bleu à droite. Ou le rose si on n'a pas de chance. Là, faut essayer d'hacher, s'agripper au bleu et attendre que le rouge arrive. Prêt, sortez au bon moment. Ok. Attendez, on est d'accord qu'en bas, on meurt. Oui. J'ai dashé pour rien. Mais non, j'ai dashé, j'étais... Tac, tac, tac. Mais non, mais pareil. Ça va. C'est le timing du truc rouge au début qui est compliqué. On y a été. Oui. Ici on y a été. Ici oui. Logiquement. Oui, je crois que là c'est la pièce dont on venait. Ok. Juste pour vérifier, cette pièce-là du coup n'a plus grand chose d'intéressant. Oups. Donc là-haut, on y a été, mais logiquement, oui. Ouais, on a dû aller de partout. Non, on va dire que c'est bon. Oh là là. Ouais, mais il y a bel et bien quelque chose là-haut. Non, il y a bel et bien rien là-haut.
Non, j'y étais presque, j'étais un petit poil gris. Et plop, Trixia, désolé si je t'ai pas vu. Je viens de me rendre compte que j'avais quelque chose devant mon chat. Comment vas-tu? Oh non. Apparemment, en plus, ça fait longtemps que t'es passé. Je me sens mal. Ça va bien, ça va bien. Je continue la découverte. D'ailleurs, tu m'avais demandé clavier ou manette. Apparemment, les speedrunners sont plutôt d'avis que le clavier c'est mieux. Sauf pour un élément qu'on n'a pas vraiment encore découvert dans ce jusqu'à présent, donc je vais pas le dire, même si en soi. Je me suis déjà suffisamment spoilé le jeu, on va dire, pour savoir qu'il existait. Ouais, bah on va monter. Hein. Ah non. Ne dites pas qu'on peut pas redescendre. Passage en bas. Non. De quoi? Ah d'accord. Ah non, d'accord, c'est moi qui le contrôle. Je suppose que faut revenir voir Céleste. Non, on va pas casser. On va pas casser. N'est pas nécessaire. Ça on peut pas. Il me semble qu'il y avait un passage en bas. Non. Maintenant, c'est elle qui me fuit. Au lieu de m'attaquer. Hé hey, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu as fait à Théo? Tu me crois responsable? C'est mignon. Ma chère, je t'avais pourtant bien prévenu. N'essaie pas de me mettre ça sur le dos. Tu ne comprends toujours pas. C'est la montagne qui m'a donné ce corps. Mais je ne suis pas la seule chose effrayante qui vit dans ta pauvre tête en vrac. Tu n'aimes pas ce que tu vois? Quelle surprise. Tais-toi. J'ai essayé de t'arrêter. Regarde dans le miroir, tout ça est à toi. Ce temple ne fait qu'amplifier le pouvoir de la montagne. C'est toi qui contrôles ici, pas moi. Je ne te crois pas. Si tu es une partie de moi, pourquoi vouloir me faire du mal? Pauvre Madeline, toujours la victime. Je te protège comme un bébé et c'est pour ça que tu me hais. Tu pars à volo et tu le sais.
Si tu te soucies tant de me protéger, pourquoi ne pas m'avoir simplement expliqué ce qui se passe? Et tu m'aurais écouté? Tu ne m'écoutes jamais. Parce que c'est cinématique, donc j'espère qu'il n'y a pas de... passage chez Grey. S'il te plaît, aide-moi à sortir d'ici. Maintenant, tu veux que je te sauve? Pourquoi agis-tu ainsi? Sois plutôt à mes côtés. S'il te plaît. Cesse de me faire passer pour un monstre. Tu veux vraiment savoir pourquoi je ne t'aiderai pas? Parce que tu ne mérites que ce qui t'arrive. Parce que tu mérites ce qui t'arrive. Tu crois toujours pouvoir gravir cette montagne? La ferme! Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débrouillerai toute seule. Oh, super. Trop tôt. Non, faut monter, faut s'appuyer là pour machin. Et après on dèche vers le bas. Oh là là, ça fera. Ceci est affreux. Non, ça va, c'est mieux que ce que je croyais. Je croyais qu'il fallait... celui qui est en haut à gauche, là, je pensais qu'il fallait dasher vers le bas pour qu'il nous donne un boost, qu'on saute. Mais en fait, non, juste le saut et le dash auront suffi. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Non, c'est lui qui m'attaque, ok. Comme les autres en fait. Hop. Non, je me suis loupé. Non mais c'est la même que je viens de faire. Non, dommage. Faut que je me loigne direct au bon endroit. Ouais mais d'accord. En vrai, on s'en fiche de celui-là en plus. Fallait faire le tour. Passer par en bas. Non ! J'y étais. En plus, j'ai eu un boost. Oui, forcément, ça. Mmh.
Bon, on va dire qu'il y avait... Ah, il y a quand même un truc avec des yeux, là. Non! Non, je pense qu'il n'y a rien. Ah mince. Non, j'y étais presque. Hop, hop. Ok, il n'y a pas les biens, rien du tout. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas vraiment dit, mais il y a un assist mode dans ce jeu qui ne fait pas enlever les succès et tout. Oh non. Et apparemment, il y a plein d'options, genre changer la vitesse du jeu, avoir des sauts illimités, invincibilité, etc. Si vraiment on en a envie. Après, le but du jeu, c'est quand même aussi de souffrir un peu. Enfin, de souffrir. Souffrir est un grand mot. Et de galérer un peu. L'expérience est voulue pour être dure.
tout est dans ma tête. Pourquoi est-ce si hostile? Ces choses me pourchassent. Je suis une intruse dans mon propre monde. Théo est enfermé quelque part ici à cause de moi. Si je cède totalement, le temple laissera peut-être partir. Respire. Tout ceci vient de ce qu'il y a en moi. Réveille-toi, Madeline. Pense à la plume. Tu peux sauver Théo. Non, mais non. C'est bon. Non, putain. J'aime pas quand t'as un quart de seconde pour réagir, pour trouver le bon chemin, enfin pour sortir du chemin proposé. Bon, c'est ce qui est censé faire en sorte que tu refasses le jeu, mais... jamais motivé à refaire un jeu. Les Metroidvania, ça va à peu près. Non. Ok, ça va, c'était pas trop compliqué. Ressortir avant d'être bloqué, voilà. Théo, Dieu merci, je t'ai trouvé. Madeline, wow. Je suis content de te voir. T'as encore un jeu avec des yeux là. Ah, ça rappelle Dandara. Tout va bien? Ouais, tout va bien. J'ai juste été prisonnier dans ce truc en cristal pendant une éternité. As-tu l'impression que cet endroit te connaît mieux que tu ne te connais toi-même? Ouais. Je suis tellement gêné que tu aies vu cette facette de moi. J'ai essayé de t'arrêter. J'espère que ce selfie en valait le coup. Les selfies valent toujours le coup, l'ami. Je ne devrais pas m'énerver, ce n'est pas de ta faute. Je suis contente que tu n'aies rien, mais tu es enfermé ici par ma faute. Et maintenant, ce temple te montre comment je suis vraiment. Je suis horrible. Eh, on est ensemble sur ce coup-là. Ne fais pas comme si tu étais responsable de tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'as pas enfermé dans ce cristal. C'est vrai, ces monstres viennent de toi, mais le temple se forme autour de moi aussi. Je peux le sentir. Ses yeux m'observent. Et ce cristal vient de moi, je le sais. J'aime pas réclamer, mais j'ai vraiment besoin de ton aide là. Ok. Je suis là pour t'aider. Je vais te pousser hors de cette chose et on s'échappera ensemble.
dès que j'aurai trouvé un moyen de te rejoindre. Madeline, tu es mon seul espoir maintenant. J'ai confiance en toi, vraiment. J'espère que ce n'est pas une erreur. Si le temple me montre qui je suis vraiment, alors je mérite tout ça, non? Alex, arrête d'être si dur avec toi-même. Quoi? Alex? Pardon, je voulais dire Madeline. Mais ce que j'ai dit reste vrai. Personne ne mérite ça, et toi encore moins. Ouais, tu as raison. Ok, je peux y arriver. Ok. C'est comme un coffre ici. Non. Ah, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Non. Prendre de l'élan. J'ai décollé et c'est après que j'ai vu qu'il avait des... Mince. Qu'il avait des pics sur le bloc. Non. Ah, punaise. Punaise. Ok. Alors maintenant la question c'est... Comment... Comment on atteint cette fraise? Oula, où est-ce que j'apparais? Ça libère la porte de gauche, mais...
Apparemment, en fait, c'est le passage où on était tout à l'heure. Super. Non, si, je vois. Oh, punaise. Il y a lui, là, qui passe entre deux étages. Là, tout de suite, je le sens mal. Aller à gauche. De toute façon, il me manque encore. Je suis pas venu là ? Mais pas avancer. Au début, faut faire un saut plus gros. Hein ? Non, ça marche pas. Bon, je pense en dash en diagonale. Voilà, ça passe tout simplement. Je croyais qu'il fallait le monter par là, du coup c'est beaucoup plus facile que ce que je croyais.
que je voulais pas faire, réveiller la bête. Et en disant ça, je parle pas de mon chat qui est en train de manger. Ici j'ai pas été et il y a la fraise que j'ai vue qui est censée être par là mais qu'on ne trouve pas. Hop. Ça, je viens de le faire. Ok, j'ai juste oublié de faire ça, d'accord. Ah, je suis parti par l'autre chemin, ok. Oui, on essaie de pas réveiller ça. Du coup, il reste que la fraise. C'est juste en dessous, c'est pas au-dessus. D'accord. C'est un saut chaud quand même. On se loupe. Et qu'on y va sans prendre la dernière clé. Ah. C'est marrant.
Et voilà. Cinématique. Théo, je t'ai enfin retrouvé. Je savais que tu réussirais. Ça n'a pas été simple. Ces monstres viennent-ils vraiment de moi? Madeline, c'est une question légitime. Je serais ravi de discuter de la façon dont les monstres sont liés à ton fort intérieur. Mais pour le moment, mon propre fort intérieur est plus que fatigué d'être prisonnier de ce cristal. Oh, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, je vais te faire sortir. Un petit âge vers le haut apparemment. Bien, c'est un bon début, mais... ce cristal est comme une expression de mon énergie psychique négative, ou un truc du genre. D'accord, mais comment on le casse? Si je savais pourquoi je me suis enfermé dans cette chose, je pourrais peut-être m'échapper. Mais je n'en sais rien. Je ne crois pas pouvoir commencer à le comprendre tant qu'on reste bloqué dans cette dimension cauchemardesque. Je déteste dire ça, mais tu vas peut-être devoir... Théo, n'y pense même pas! Il n'est pas question que je t'abandonne! Bien sûr que non! T'as pas intérêt à m'abandonner ici. J'allais dire que tu allais peut-être devoir me transporter. Oh! Oui, je peux faire ça. Mais bien sûr, tu peux me soulever. Ah. Attendez. Non, vraiment rien. Bon, tu peux le faire. Oui. Bien joué, tu n'as laissé aucune chance à cette porte. Le miroir derrière, c'est trop bien, je trouve. Oh, j'espère que tu sais comment s'occuper de ces trucs-là. Adieu. C'est bon, t'es sauvé? Non, ok. Voilà exactement ce que je voulais voir. Est-ce que ça l'assommait? Apparemment, ça le pousse, mais c'est tout. Non. Faut dasher vers le haut. Il faut dasher. Mais je crois que je peux pas dasher quand je suis avec... Ouais, je peux pas dasher. Oh non, je pensais lui tomber dessus. Oh. Non, mais non, faut pas que je tombe là-dedans, moi. C'est bien. Non, c'était pas mal ça. Non, 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 faut que je parte avec lui. Alors.
J'ai oublié de tâcher. Je crois que mon chien est en train de se faire les griffes sur ma chaise. Ah! On a trouvé comment percer ce... sa cage de cristal. Non, je peux pas lui envoyer. C'est trop risqué et dangereux d'envoyer. Oula! Non! Il m'a propulsé tellement loin sans que je m'en rende compte. J'aurais dû lâcher vers le haut après. Alors. Mais non. Faut que je l'envoie. Si je l'envoie, faut que je sois vraiment contre le mur. Un dash imité. Je suis plutôt en train de frimer. C'est pas faux. J'aide. Je suppose que c'est la traduction de help. C'est lui qui... Théo est encore le sauveur. Ok, donc je me suis embêté à faire que ce soit le monstre qui tape l'interrupteur. Alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Oh non, j'étais presque. What?
J'arrivais plus à sauter. Ok. Oh non. Mais de où? Voilà. On tue les monstres maintenant. Ouais. Ça, je m'en doutais. Non, c'est ça, ouais. J'ai... Mais j'arrive plus mes touches, ok. Oh, je peux pas tenir quelqu'un pendant 5 minutes tant de pouvoir, moi. Quoi? Ah, j'avais... D'accord. Ouais, je viens de voir, je viens de me souvenir. Ouais, non, c'est ça. Oh, bah super. Mais... Non, bah d'accord. Adieu, Théo. Avec les jetons de chaîne. Mais de où? Ok. Il faut qu'on soit proche. Je le sens. Ouh, traduction française approximative quand même. Mais deux fois. Encore un peu plus proche, tu peux le faire, Madeline. Mais non. Alors. J'aurais dû le choper. Enfin, le buter plutôt qu'essayer de rechoper le... Monstre.
ça me repousse moi mais pas lui, d'accord. Ah, je vois plus rien. Bon, là c'est un peu fait exprès. C'est Mother Brain! On vient de tuer Mother Brain! Maintenant on s'échappe et c'est fini. Oh la tête! Aïe 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 la tête! Chapitre fini! Il manque que 3 de fraises. Bien. Et bien sur ce, un chapitre fini, une VOD finie. J'espère que l'épisode vous plaît. Si vous êtes toujours là dans la série, c'est qu'elle vous plaît, je l'espère en tout cas. Et puis à très vite du coup.